État de l'Oklahoma, au cœur des États-Unis. Cette autoroute gigantesque relie la côte Est à la côte Ouest. C'est l'une des plus fréquentées du pays, l'une des plus dangereuses aussi. Ben McHand tente d'y faire régner la loi et l'ordre. Ce shérif du bitume dirige une brigade spécialement créée pour lutter contre les excès des poids lourds. Ces monstres de la route lui donnent pas mal de fil à retordre. Il y a des chauffeurs de poids lourds ici qui pensent que la route leur appartient parce qu'ils ont les plus gros véhicules. Mais ce n'est pas le cas. Cette route appartient à tout le monde. Quand ils font ça, ça exaspère les gens. On a des plaintes tous les jours concernant des routiers qui conduisent dangereusement. Aux États-Unis, il n'existe pas de radar automatique au bord des routes. Ben doit attraper les chauffards en flagrant délit d'excès de vitesse. Mais ce petit boîtier noir, sans radar embarqué, est loin d'être suffisant. Les chauffeurs repèrent de loin sa voiture siglée et se préviennent par radio. Alors, pour déjouer leur ruse, Ben a un atout, son collègue Eric, qui assure l'appui aérien. Ok, on a une course-poursuite. Il vient de repérer un poids lourd qui semble rouler au-dessus des 110 km/h autorisés. Pour contrôler la vitesse, le pilote a une méthode des plus rudimentaires. Il dégaine un simple chronomètre, puis en prenant des repères sur la route, il se livre à un rapide calcul. Allez, allez, vas-y bébé, ouais. 140, 150 km/h. Donc 140, 150, il est midi. C'est cool. Bingo! 30 km/h de plus que la vitesse autorisée. Au sol, Ben se lance à la poursuite du chauffard. Il va vite découvrir que ce costaud tatoué n'a pas qu'un excès de vitesse à se reprocher. C'est un revolver Ruger en 44 Magnum. L'homme n'a pas de permis et son arme est chargée. Une ambiance de western sur les routes d'Oklahoma. Les conducteurs ici vont d'un état à l'autre. Ils traversent le pays pour livrer leur cargaison. Ils ne peuvent avoir une arme à feu que s'ils ont un permis. Mon collègue va donc lui donner une amende pour la vitesse excessive, une autre pour le changement de voie et une pour le transport d'armes à feu sans permis. L'officier va prendre les munitions, rendre l'arme et laisser le chauffeur repartir sur la route. L'homme s'en tire avec 270 euros d'amende et un sermon dans la voiture de police. Pas sûr que cela lui serve de leçon. Excès de vitesse, horaire de folie, conduite dangereuse, les routiers sont les bad boys de la route. La puissance de leurs engins les rend parfois incontrôlables. À la suite d'un accrochage, ce poids lourd tente d'échapper à la police, mais rien ne semble pouvoir l'arrêter. Regardez, il pousse tout sur son passage. On a une situation qui devient critique. Ce n'est qu'en tirant dans les pneus et le radiateur que les policiers mettent fin à la cavale. Des dérapages spectaculaires et souvent meurtriers. L'an dernier, les poids lourds ont été impliqués dans 413 000 accidents. Bilan, 4 800 morts et plus de 100 000 blessés. À bord de sa voiture, Ben ne sait jamais ce que le prochain contrôle va lui réserver. Parfois, quand on les arrête, ils réagissent nerveusement. Il nous arrive de trouver de la drogue cachée dans la cargaison. Parfois même, on trouve de grosses sommes d'argent. Aux États-Unis, les chauffeurs routiers et leurs camions spectaculaires se sont taillés une réputation sulfureuse. Course-poursuite, affaire de drogue ou de mœurs, les excès des routiers américains défraient la chronique. Nous allons prendre la route avec Léon, un ancien Marines. Il a tout quitté pour faire fortune avec son semi-remorque. Je suis devenu accro à la route. Dans le métier, on dit que si tu arrives à conduire pendant 2 ans, alors c'est fini, tu as la route dans le sang. Le métier va réserver bien des surprises à ce novice. D'un côté, il y a les cadors de la profession. Ces géants se retrouvent une fois par an à Las Vegas
pour mesurer leur puissance à l'aune de leurs incroyables machines. Approchez, entrez dans mon sanctuaire. Oh mon Dieu! De l'autre, il y a l'univers sombre des truck stops. Caroline a été l'une de ces prostituées qui travaillent sur ces stations géantes réservées aux poids lourds. T'es sur la station de la rue Maple ou sur celle d'après? Aujourd'hui, elle essaie de les sortir du cauchemar. Je veux juste partir d'ici. Je dois faire quelque chose ou je vais mourir ici. Prostitution, trafic et même meurtre en série. Nous suivrons l'enquêteur Pat Postiglione dans sa traque des routiers serial killers. Il y a plusieurs tueurs en série qui assassinent régulièrement des filles un peu partout dans le pays. Et s'ils sont aussi difficiles à attraper, c'est justement parce que ce sont des routiers. Alors, quelles sont les règles pour survivre dans cette jungle de l'autoroute où semble régner la loi du plus fort ? Être indépendant, tracer la route et peut-être faire fortune. Pour beaucoup d'Américains comme Léon, devenir routier, c'est au départ un rêve accessible. Pas besoin de faire des études, un permis de conduire suffit. Léon a quitté l'armée pour devenir chauffeur indépendant. Il débute dans le métier et va de surprise en surprise. Il a mis toutes ses économies, 31 000 dollars, dans ce camion. Désormais, c'est sa seule maison. Et passer toute sa vie dans une cabine de 5 mètres carrés, ce n'est pas toujours facile. Voici ma maison. Je range mes chaussettes et mes sous-vêtements ici. Ça, c'est un réfrigérateur. Il garde tout au frais, je peux même avoir de la glace là-dedans. J'ai des ceintures, des vitamines, un téléphone. Ça peut servir de cuisine. Je m'en sers pour ranger tout mon bazar. Je vis dans mon camion, je travaille dans mon camion, vous voyez? C'est un peu comme une prison, en fait. Mais bon, on essaie de faire avec. Les bons mois, Léon arrive à se faire 4000 euros. Mais il commence un peu à déchanter. À mi-chemin de New York, où il doit livrer ses meubles, il s'arrête ce soir sur Iowa 80, le plus grand truck stop des États-Unis. Une gigantesque station-service réservée aux camions. Elle s'étend sur 1 km de long. Je passe ma vie ici. Vous savez, ce truck stop, c'est ma deuxième maison après mon camion. Ils ont des douches, des restaurants, il y a des snacks. Ils ont tout ce dont un camionneur a besoin. A priori, le truck stop a tout du paradis pour routiers. Dès l'entrée, des camions au chrome étincelant sont alignés comme à la parade. Ça, c'est un Freightliner classique. Pour les marques, ces stations-service sont des vitrines idéales pour appâter les futurs clients. Incapable de résister à la tentation, Léon est comme un gamin dans un magasin de jouets. Celui-là est vraiment beau. Dommage qu'ils aient pas laissé les clés. Mais ici, les joujoux sont très gros et aussi très chers. Vraiment beau. Propre. C'est un camion cher, très cher. Je dirais plus de 100 000 dollars. Au moins 100 000 dollars. Ça vaut plus que certaines maisons. Aux États-Unis, les chauffeurs routiers assurent 75% du transport de marchandises. Trouver du boulot, ce n'est pas vraiment un problème pour Léon. Au truck stop, sur cet écran, des annonces pour des cargaisons à livrer sont mises en ligne par les entreprises de transport. Il a l'embarras du choix pour sa prochaine mission. Là, ce sont les cargaisons à prendre dans les villes de l'Iowa ou dans l'Illinois. Et là, c'est les destinations dans différents états du pays. Au bout de l'annonce, un numéro de téléphone. Léon n'a qu'un coup de fil à passer pour décrocher le job. Vous avez une commande pour demain? Il faut aller le chercher demain et le livrer à 7h45, quel jour? D'accord. Merci beaucoup, monsieur, je vous rappelle. Merci. Léon vient de trouver sa prochaine mission. À New York, il récupérera des téléviseurs qu'il devra livrer à Los Angeles, à l'autre bout du pays. Voilà, je peux aller les chercher aujourd'hui ou demain. Dans un truck stop, tout est prévu pour le confort des routiers. Laverie, salle de jeu, cinéma.
Il y a même un dentiste et un salon de coiffure où Léon fait régulièrement escale. Je vais enlever ma casquette. Oh là, j'ai vraiment une tête de routier. Léon apprécie le confort, mais il ne suffit pas à effacer la fatigue et la solitude inhérente au métier. Après 800 km au volant, il engloutit un tacos dans cette salle anonyme où personne ne parle à son voisin. Il n'est que 21h, mais Léon regagne la sécurité de sa cabine. C'est plus prudent. Car la nuit, l'ambiance des truck stops devient nettement plus pesante. Ces stations-service tout confort prennent des allures de coupe-gorge. Prostituées et dealers font leur apparition autour des camions. Vous vous prostituez sur les truck stops depuis combien de temps ? Oh, depuis 99. D'accord. Et ça marche bien ? Oui et non, ça devient chaud avec la police. Ça dépend. C'est une zone dangereuse ici. Il y a beaucoup d'assassinats. Justement, hier, un mec s'est fait exploser la tête. Il y avait du sang partout sur le trottoir. Voilà pourquoi il faut faire attention. C'est une zone où l'on vend de la drogue. Ici, tu peux te faire tuer pour 2 dollars. Cette face sombre des truck stops, Caroline l'explore chaque nuit. Elle en connaît les secrets et les dangers. À 30 ans, cette bénévole s'est donnée pour mission de venir en aide à ces filles que les routiers surnomment les lézards du parking. Parce qu'elles se faufilent entre les camions pour trouver un client. C'est ici qu'elles viennent. Elles frappent aux portes des cabines. Vous pouvez voir à quel point elles peuvent se faire de l'argent facilement ici. Il y a des tonnes de camions. Si tu arrives à avoir 5 camions et que tu te fais 50 dollars par camion, tu te ramènes 300, 400, 500 dollars et tu peux leur faire payer plus cher ici parce qu'ils ne connaissent pas les tarifs de la rue. Chaque nuit, Caroline maraude entre les camions, prête à intervenir si les filles en ont besoin. Et elles savent que son portable est toujours branché en cas d'urgence. Allô ? Tu es sur la station de la rue Maple ou plus loin ? Au bout du fil, Dacia, prostituée depuis 20 ans dans les stations de routiers. Elle est accro au crack et ce soir, elle est en crise. Ok, ok, ça marche. C'est l'une des filles les plus dures à gérer. Elle a eu 4 enfants. 3 d'entre eux sont gardés par sa mère. Le dernier est mort dans ses bras, dans un motel où on deal du crack. Sa vie n'a vraiment pas été rose. Oui, oui, elle prend du crack et elle s'injecte aussi de la cocaïne. Elle a fait une tentative de suicide il y a 9 mois. Elle s'est jetée sous une voiture. Elle a été gravement blessée. La prostituée attend Caroline devant la maison de son proxénète. Elle semble complètement désorientée. Tiens, elle est là. T'as mis des chaussures ? Ah, ok. Je veux juste partir d'ici. Je dois faire quelque chose ou je vais mourir ici. Caroline décide de conduire Dacia au centre de désintoxication le plus proche. Est-ce que tu peux me payer le bus jusqu'à Oklahoma ? C'est là que vivent mes nièces, j'en peux plus d'être ici. Je peux plus continuer à faire ça. Je sais. Aujourd'hui, on est samedi, donc tu sortiras lundi ou mardi. Et après, tu peux aller dans le centre de réinsertion. D'accord ? Mais pourquoi faire ? Je veux partir de cette putain d'avenue. Je veux sortir de cette putain de drogue. Je veux plus continuer comme ça, je peux plus. T'as du soda ? Non, non, j'ai rien. Dacia a rompu avec sa famille. Aujourd'hui, son seul univers, c'est le truck stop et son ambiance sordide. C'était l'anniversaire de mon fils il y a 2 jours et je m'en suis même pas rendu compte. Je sais même plus quel âge il a, putain, Caroline.
Je parlais à ma grand-mère ce soir. Elle m'a demandé si je connaissais Dieu. Mais tu sais à quel point c'est débile de la part de ma grand-mère. Elle ne connaît même pas Dieu, alors Jésus. Mais elle me fatigue avec Jésus, tu comprends? Caroline dépose Dacia dans un centre d'accueil d'urgence pour toxicomanes. Elle y restera 2 jours. Caroline sait que ce n'est jamais gagné, mais que l'on peut s'en sortir. Elle aussi est passée par là. Accro au crack, dès l'âge de 14 ans, Caroline est tombée sous le contrôle d'un proxénète en débarquant dans le Missouri. Dans sa petite maison de Kansas City, les mauvais souvenirs, elle les a enfermés dans cette boîte à chaussures grises. Ce sont des photos. Elles sont crues. Voici à quoi ressemblaient les soirées qu'elle passait avec les autres filles de joie pour routier solitaire. Ça, c'est les photos de la maison où on vivait. Et ça, c'est les filles de la maison. 1, 2, 3, 4, 5, en tout 11 filles. Et on faisait la fête en permanence jusqu'à ce qu'on s'écroule. Et là, c'est moi. Sous l'emprise de son Mac, comme toutes les filles à routier, Caroline perd tout contrôle sur sa propre vie. Ça, c'est le gars qui prenait toutes les décisions. Il dirigeait tout. Il nous emmenait sur les truck stops et il nous disait « Ne rentre pas à la maison tant que tu n'as pas empoché 300 $, 500 $, tant que tu n'as pas gagné ta part, en gros. » J'étais tellement épuisée qu'il y a eu des fois où je me suis même endormie en plein milieu d'une fellation. Parfois, quand je restais assise, je m'endormais instantanément et je ne pouvais rien y faire, simplement parce que mon corps était à bout. Son calvaire va durer 3 ans. Aujourd'hui, le proxénète est en prison pour trafic de drogue. Ce soir, Caroline a mis Dacia à l'abri, mais dans 2 jours, parviendra-t-elle à éviter que sa protégée ne replonge dans l'enfer des truck stops? Le jour se lève sur Iowa 80. Léon s'apprête à repartir. Ses voisins de parking l'étonnent souvent. Ce matin, il fait connaissance avec Jonathan, originaire du Texas, un fan de kung-fu. Wow, c'était super. Et t'as perdu combien? 30 kilos jusqu'à maintenant. 30 kilos? 30, oui. Il m'en reste 7 à perdre. Ma mère m'a dit que si je perdais 30 kilos, elle se chargerait de me trouver une copine. Alors, il va falloir que je m'y mette moi aussi. C'est cool, en tout cas. En mal de compagnie, Léon a pris son temps pour discuter, mais il va être rattrapé par un stress que connaissent tous les routiers. La peur d'arriver en retard. Il n'a que 5 heures pour livrer ses meubles. Au moindre incident, il panique. Oh là, c'est bloqué, là. C'est quoi la rue, déjà? Oh, j'allais dans le mauvais sens. Je me suis trompé de direction. Là, je suis perdu. Les clients ne sont pas coulants sur les horaires. En cas de retard, c'est l'amende. Le client va sûrement m'en vouloir. Je suis en retard. Et du coup, il peut le déduire de ma paye. Il peut très bien me dire... Ok, je retiens 100 ou 200 dollars de ton salaire à cause du retard. Cette fois-ci, Léon s'en tire bien. Il en sera quitte pour cette pointe de stress. Les meubles sont débarqués juste dans les délais. Léon peut repartir immédiatement, charger ses téléviseurs. Ok les gars, je dois reprendre la route maintenant. Une nouvelle aventure m'attend sur le bitume. Et j'ai beaucoup de kilomètres à faire. Il enchaîne les livraisons, sans répit. Avec une seule idée en tête, faire fortune. Car au pays du camion roi, certains routiers se sont bâtis de petits empires. Sur les hauteurs de San Diego, en Californie, une villa luxueuse. C'est celle de Marie et Bill Sandvik.
Tu as trouvé ce que tu voulais? 400 mètres carrés avec vue imprenable sur la vallée. Jacuzzi sur la terrasse et dans le garage, une collection de bateaux de compétition et de voitures de sport. C'est juste une voiture qu'on a restaurée. On a repeint, retapé cette Corvette de 1970 pour nos noces d'argent. C'est grâce à leur entreprise de transport que les Sandvik ont fait fortune. Ancien ébéniste, à 40 ans, Bill lâche tout pour acheter un camion et s'installer à son compte. Il se spécialise dans le transport de dalles de marbre. Les riches Californiens en raffolent pour décorer leur villa. Le carnet de commandes des Sandvik ne désemplit pas. Ces dalles de marbre leur ont porté bonheur. Aujourd'hui, le sol de leur camion fétiche en est recouvert. Celui-ci, c'est notre plus beau camion. Les sols sont en granit venus d'Europe. Il y a des gravures sur les vitres, des crochets brillants. Ils sont en aluminium, tous faits sur mesure. Oh, un camion comme celui-là vaut minimum 150 000 dollars. C'est un travail d'orfèvre. Cette semaine, leurs 15 employés sont sur le pied de guerre. Pas de livraison en vue, mais un rendez-vous stratégique pour Bill et Marie. Dans 3 jours, ils présenteront 2 de leurs camions au concours de beauté de Las Vegas. Un show de prestige qui fait et défait la réputation des entreprises. Et Marie compte bien sur son intérieur cossu pour remporter la partie. Voilà, en gros, comment ça se passe pendant le concours. On vient ici se rafraîchir avec la climatisation, on parle de la compétition. Là, il y a un micro-ondes, un réfrigérateur et un congélateur. Et là, c'est ma pièce préférée, c'est la salle de bain. Les Sandvik portent à leur camion un soin maniaque. Il faut traquer les petits détails. La saleté autour des vis, sous le joint, je l'enlève avec mon couteau et ensuite je souffle avec la paille pour faire disparaître la poussière. Le jury évaluera aussi la bonne tenue des employés. Et là, ça s'annonce nettement plus problématique. Vous êtes prêts? Vous avez pris une douche? Mais c'est quoi votre problème? Allez prendre une douche! On est parti! Mais non, pas ici! Va à l'intérieur! Samy, l'un des chauffeurs, est visiblement très émoustillé à la perspective de découvrir Las Vegas. Les Sandvik parviendront-ils à tenir leurs troupes dans la ville que les Américains ont surnommée Sin City, la capitale du péché? La ville de tous les excès, avec ses casinos ouverts 24 heures sur 24 et ses spectacles sexy. Vegas, c'est une fois par an. Alors pas question de dormir dans le camion. Bill et Marie ont posé leurs valises dans l'un des plus beaux hôtels de la ville. Super, on est arrivé! Ah oui, on est arrivé! Ce soir, Marie accorde une soirée détente à toute son équipe. Mais elle est inquiète, car à Las Vegas, la tentation est partout. Alors la patronne préfère mettre en garde ses chauffeurs, et notamment Samy. Si tu rentres là-dedans dans 5 minutes, tu vas avoir des ennuis. Viens ici, oui, je t'ai vu rentrer à l'intérieur. Ah, Samy, c'est un blagueur, il est toujours en train de faire l'idiot. J'ai juste dit bonjour. Non, pas de bonjour. Les filles, elles te disent bonjour et hop, elles te prennent ton portefeuille. Tu parles à personne, tu touches à rien, tu restes à côté de moi. Marie ne croit pas si bien dire. La nuit à Las Vegas va se révéler pleine d'embûches pour les cadors du bitume. Mais sur les routes, les camionneurs ne semblent craindre personne. Avec 60 hommes pour contrôler 230 000 km d'autoroute, Ben, notre policier chargé de la brigade poids lourd de l'Oklahoma, a du mal à faire respecter la loi. Il ne prend sa revanche qu'une fois par an, lors du grand road check. Un contrôle géant mené simultanément sur toutes les routes du pays. On contrôle le chauffeur, son livre de bord, son permis de conduire, son carnet de santé. Si le routier est malade, bizarre ou fatigué, on l'arrête sur le champ. Mais même lors de ces opérations exceptionnelles, les policiers n'ont que peu d'éléments pour contrôler les chauffeurs. Si en France, les camions sont équipés de mouchards électroniques qui indiquent leur vitesse ou leur temps de trajet, rien de tel n'existe aux États-Unis.
Les chauffeurs américains sont seulement tenus de consigner leurs horaires dans un livre de bord. Et la plupart d'entre eux ne se donnent même pas la peine de le remplir. Ben interpelle le responsable de cet impressionnant convoi qui transporte une éolienne. Première préoccupation, vérifier l'état de fatigue des conducteurs. Je peux voir votre carnet de route ? J'en ai pas. Vous n'en avez pas ? Non. Et comment c'est possible, ça ? Sans carnet de route, impossible pour Ben de savoir depuis combien de temps roule ce chauffeur. Aux États-Unis, un routier a le droit de rouler 11 heures par jour maximum. Ensuite, il doit s'arrêter. Ok, je vous immobilise pendant 10 heures parce que vous n'avez pas de carnet de route. 10 heures d'immobilisation et 90 euros d'amende. Un coup dur pour ce routier. Cet arrêt imprévu signifie pour lui une livraison en retard et à l'arrivée, un client furieux. C'est encore une nouvelle loi stupide qu'ils ont inventée juste pour nous piquer plus de fric. On vit à une époque où un honnête homme ne peut plus monter son propre business sans se faire taxer. Ben sait que pour enchaîner les contrats, certains chauffeurs roulent jusqu'à l'épuisement, quitte à courir à la catastrophe. Cet été, son autoroute a été le théâtre de plusieurs accidents mortels dus à la fatigue. Regarde ce camion, il vient juste de se renverser. Ici, un chauffeur s'est endormi au volant. À 110 km/h, il a percuté 6 autres voitures. 10 personnes ont été tuées. Principal piège des autoroutes américaines, ces centaines de kilomètres en ligne droite. Pour ne pas s'y endormir, certains chauffeurs ont recours aujourd'hui à une drogue particulièrement dangereuse. Elle fait la une des journaux télévisés outre-Atlantique. C'est la méthamphétamine. Les Américains la surnomment la meth. Je dois vous prévenir, les images que vous allez voir sont très, très dures. Nous allons vous révéler les terribles conséquences de l'addiction à la méthamphétamine. Il y a 2 ans, ce reportage a provoqué un choc dans le monde des routiers américains. On y voit la longue agonie de Sean Bridge, un chauffeur accro à cette drogue. Pendant ces longs mois de déchéance, il est filmé par ses proches. Des dizaines de routiers feront le déplacement pour assister à son enterrement. Chez les Bridge, la route était une histoire de famille. Jack, son père, 50 ans, est lui-même chauffeur dans l'Illinois, un état au nord-est des États-Unis. J'ai appris la conduite à Sean. Je l'emmenais dans le camion avec moi. Je lui ai appris à conduire quand il avait 15-16 ans. C'était un excellent conducteur. Mais il a voulu bosser pour son propre compte. Et de toute évidence, il s'est mis à faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Passionné de camions, Sean sillonnait les États-Unis d'est en ouest, loin de sa femme et de ses 3 enfants. Il courait de contrat en contrat, malgré la fatigue. Voici des photos des 7 dernières années de sa vie, ici avec Peggy, sa femme. Je pense qu'il a commencé à prendre de la méthamphétamine pour accroître sa productivité, pour être capable de rester éveillé, faire des parcours plus longs et délivrer ses cargaisons à temps. Je pense qu'il est tombé dans la drogue parce qu'il voulait réussir à tout prix. La meth, c'est une substance hyper stimulante proche de l'ecstasy. Elle permet de vaincre la fatigue, mais les ravages qu'elle provoque sont irréversibles. À gauche, la photo d'un routier avant sa dépendance. À droite, le même, 2 ans plus tard. Perte de poids, automutilation, agressivité et vieillissement prématuré. Aux États-Unis, des milliers de routiers ont été contrôlés positifs à cette drogue que l'on peut fabriquer seul et à moindre coût. Sean n'était pas un cas isolé, mais sa famille a tenu à témoigner de son calvaire pour alerter toute la profession. Je t'aime, Sean. Ça va aller, on se revoit plus tard. Ça va aller, Sean, tu vas voir. Tiens bon, Sean. Il ne pouvait plus parler, ni même marcher. Il bougeait à peine. Il ne faisait plus rien tout seul. Et il devait surmonter tout ça, vivre très lentement, et c'est ce qu'il a fait. À un moment, il a pu marcher à nouveau, quelques pas seul. Il pouvait se lever de son lit.
Mais finalement, son corps n'a pas tenu le coup. Il n'avait plus la force de lutter. À cause de la meth, Sean est mort en mars 2007, à 35 ans. Il n'a pas supporté la pression d'un métier trop éprouvant pour lui. Les cadences infernales, la fatigue, le stress. Léon, le chauffeur débutant, a dû s'y habituer. Il dit ne jamais toucher à la drogue, mais ses proches sont soucieux. Aujourd'hui, il est à Santa Cruz, en Californie. Salut, petite sœur. Comment ça va? C'est ici que vivent sa mère, sa sœur et ses petites nièces. Léon ne les a pas vus depuis près d'un an. Il ne s'accorde qu'une petite semaine de repos chaque année. Son rythme inquiète sa sœur, qui le voit se couper peu à peu de la société. Je pense que conduire un camion, ça lui monte à la tête. Ça l'a rendu un peu dingo. Moi, j'aimerais le voir faire un autre boulot, quelque chose de plus sain pour lui, où il ne serait pas éloigné de la maison pendant aussi longtemps. Parce qu'à force d'être sur la route tout le temps, j'ai bien peur qu'il ne rencontre jamais quelqu'un. Ouais, je me laisse encore 5 ans. Ouais, 5 ans et je rencontrerai quelqu'un de bien. Une très belle femme. Léon s'est accordé 3 jours de repos, c'est son maximum. Il ne tient jamais plus longtemps au même endroit. Après 6 ans sur les routes, il est devenu dépendant au bitume. Je suis devenu accro à la route. Dans le métier, on dit que si tu arrives à conduire un camion pendant 2 ans, alors c'est fini, tu as la route dans le sang. Et si tu tiens dans le business encore 5 ans, c'est sûr, tu y es pour toujours. Léon n'en est pas encore là. Mais sur la route, certains chauffeurs se marginalisent totalement et sombrent parfois dans la folie. Une folie qui peut se révéler meurtrière. Nashville, Tennessee, au cœur des États-Unis. Une ville rendue célèbre par la musique country et Elvis Presley. Mais Nashville, c'est aussi le théâtre macabre d'une série de crimes dont les suspects numéro 1 sont des routiers. Le FBI a même créé une unité spéciale pour les arrêter. Grâce à elle, cet enquêteur, Pat Postiglione, a pu résoudre une sombre enquête. Ça, c'est l'unité des affaires classées. Là, c'est le bureau du chef. Et là, regardez, c'est le bureau des détectives. Vous voyez, ils sont 6 à travailler dans cette pièce. Pour Pat, tout a commencé avec cette carte. Elle recense les meurtres commis aux abords des truck stops. En tout, près de 500 victimes, en majorité des femmes, prostituées ou autostoppeuses. Cette carte montre qu'il y a probablement plusieurs tueurs en série qui assassinent des filles un peu partout dans le pays. Et la raison pour laquelle il est difficile de les retrouver, c'est parce que ce sont des camionneurs. Ils peuvent être au nord-est le lundi et au Texas le mercredi. Entre-temps, ils peuvent tuer 2 ou 3 personnes, et c'est très difficile de faire la connexion entre elles. Pat estime que des dizaines de routiers tueurs en série opèrent régulièrement sur les autoroutes du pays. C'est sur ce truck stop de la banlieue de Nashville qu'il a été confronté à son premier routier serial killer. La police est arrivée, elle a trouvé le corps d'une femme. Sarah Nicole Albert, elle était abandonnée à l'arrière d'un truck stop. Elle gisait sur le sol et mon unité a très vite conclu qu'il s'agissait sûrement d'un serial killer. Sarah, 25 ans, gît nue dans les ordures. Elle a été abattue d'une balle dans la tête, son corps a été mutilé. Cette mère de 2 petites filles habitait dans ce pavillon, avec sa tante et ses sœurs. Ce sont elles qui s'occupent désormais des enfants. Ça, c'est Sarah, et ce sont ses filles. Ça, c'est Georgina, la plus jeune, et ça, c'est Gracie. Ce matin-là, on a vu quelque chose aux informations. Une jeune femme s'était fait assassiner dans un truck stop. Mais bon, on ne s'est pas inquiété. Sarah, elle avait l'habitude de disparaître pendant plusieurs jours. Ça arrivait qu'on ne se parle pas. Puis elle revenait. C'était le mode de vie qu'elle avait choisi. Ils ne m'ont même pas laissé la voir après sa mort.
Je n'ai même pas pu voir le corps. Sarah, c'est cette jeune fille à l'allure sage. À la mort de sa mère, elle perd pied et tombe dans la drogue. Elle n'a alors que 13 ans. Pour financer sa dépendance au crack, Sarah se prostitue sur les truck stops. Elle a essayé de changer. Elle a vraiment essayé plusieurs fois. Mais la drogue, enfin, son addiction était plus forte. Ça l'a dépassée totalement et elle n'a pas réussi à décrocher. De son côté, l'enquêteur Pat Postiglione passe au crible toutes les vidéos prises par les caméras de surveillance du truck stop. Il repère alors un camion jaune dont les allées et venues lui semblent suspectes. Pat commence sa traque. Il revient régulièrement sur les lieux du crime. Coup de chance, moins d'un mois après le meurtre, il croise le fameux camion jaune, juste à côté du truck stop. J'ai vu un camion jaune, exactement là où il y a ce camion bleu, juste là maintenant. Là où vous le voyez maintenant. Et je suis allé dans la file de gauche pour mieux voir, et il a ralenti juste là. Et j'ai prévenu mon collègue que j'allais le suivre. Et j'ai pas réalisé ce qu'il faisait. Mais il a tourné dans cette rue, alors j'ai tourné derrière lui, et on s'est suivi dans cette rue. Le routier rôde autour du truck stop. Pat Postiglione le prend en filature, puis décide de l'intercepter. J'ai vu du sang sur ses ongles et du sang sur la porte à l'intérieur de la cabine. J'ai vu plusieurs taches de sang. Et quelque chose m'a dit que ce serait une très bonne idée de fouiller l'intérieur du camion avant de le laisser repartir. La fouille se révèle décisive. Pat découvre un couteau, du fil électrique, un sac poubelle rempli de sang. Dans sa cabine, un pistolet 22 long rifle. Le même modèle que celui qui a tué Sarah. Le routier est arrêté. Il s'appelle Bruce Mendenhall. Il a 58 ans. L'homme est aujourd'hui détenu dans ce building, au quartier général de la police. Il attend son procès à deux pas du bureau de Pat. Il avait vraiment l'air d'un routier comme les autres. C'est probablement un psychopathe qui n'a plus aucune conscience. Il est capable de tuer quelqu'un et d'aller manger un hamburger ensuite, comme si de rien n'était. Bruce Mendenhall a avoué 4 meurtres, mais les enquêteurs lui attribuent 3 autres victimes, toutes des prostituées. C'est à Kansas City que nous avons retrouvé Caroline, l'ange gardien des filles des truck stops. En 10 ans, elle a vu autour d'elle une cinquantaine de femmes disparaître, souvent dans l'indifférence générale. Elle se bat pour alerter d'autres jeunes filles des dangers de la profession. Ce tableau montre les filles qui sont mortes ou qui ont disparu. Lorsqu'il y a des ailes, cela signifie qu'elles sont décédées. Lorsqu'il y a marqué « vue pour la dernière fois », ça veut dire qu'elles sont portées disparues. Certaines ont été séquestrées pendant des jours, d'autres battues à mort. Caroline et ses amis ont toutes été confrontées à des situations extrêmes. J'ai vraiment été dans de mauvaises situations. Parce que parfois, les clients veulent te garder de force dans leur camion, veulent te reprendre l'argent, ils utilisent la force pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont tout seuls sur la route, ces mecs. Et ils se disent, si je lui donne un peu de drogue ou de l'argent, je pourrais en faire mon jouet sexuel. Parfois, ces filles restent éveillées des jours entiers à cause de la drogue et elles finissent par s'endormir dans un camion. Elles se réveillent dans d'autres villes, d'autres états et ne savent même pas où elles sont. Ça peut être vraiment terrifiant pour elle. À Kansas City, près d'un millier de filles se prostituent sur les truck stops. Alors Caroline reprend sa tournée. Là, sur la droite, un peu plus loin, il y a tout un quartier avec beaucoup de prostituées. Ah, là, il y a une fille, là. Salut, je travaille pour l'association Veronica's Voice. On distribue des préservatifs. Tiens. Ok, merci. Au coin d'une rue,
Mauvaise surprise pour Caroline. Elle retrouve Dacia, la jeune femme accro au crack. Malgré son passage en désintoxication, elle a replongé. T'as besoin de crème solaire ? Non, j'ai besoin de lunettes de soleil. Tu veux des préservatifs ? Oui. Caroline n'a rien pu faire pour Dacia. Malgré tous ses efforts, les camions du truck stop attirent les prostituées comme des aimants. Mais sur ces parkings, il n'y a pas que les filles qui draguent les routiers. Depuis quelques années, Suzanne et Mike font eux aussi la tournée des cabines, avec une toute autre motivation. Il y en a un là. Juste là, chérie, regarde. Salut mec, ça va? Je suis le révérend Michael. On fait juste le tour du truck stop. On a des DVD qui délivrent des messages. Donc quand tu te sens seul, écoute-le et je pense que ça pourra t'aider. Ces deux évangélistes arpentent les parkings presque tous les jours pour remettre dans le droit chemin les brebis égarées. Salut les gars, comment ça va? Bien, je passe juste pour dire bonjour. Je suis le révérend pour les routiers. On a une chapelle là-bas. Bon, en gros, on est là pour vous, les gars. Ces chauffeurs pensaient profiter d'un barbecue tranquille. Les voilà enrôlés dans une prière improvisée. Seigneur, nous nous inclinons devant toi. Nous te remercions pour ces gens qui sont ici, pour leurs femmes, Seigneur, pour leurs petits amis. Protège-les. Permets qu'ils se fassent de l'argent, Seigneur. Bénis leur famille pendant qu'ils sont loin. C'est une vie difficile pour eux, Seigneur, et j'admets qu'ils ne font pas toujours ce qu'ils sont supposés faire, Seigneur, mais parfois la volonté doit venir de toi et pas de nous. Amen. Ok, merci les gars. Merci, que Dieu vous bénisse. Ce soir, Mike et Suzanne célèbrent un office. Et leur chapelle se fond dans le paysage, car c'est un semi-remorque. À l'intérieur, une vingtaine de places. Crucifix et images pieuses adaptées à leur public, avec des musiciens pour l'ambiance. En coulisses, Suzanne a sa propre interprétation de l'hostie, des crackers apéritifs. Et pour le vin de messe, un simple jus de raisin fera l'affaire. C'est symbolique. Beaucoup de personnes ici ne boivent pas, donc nous ne voulons pas servir de vin. Par respect pour eux. Ils sont soumis à beaucoup de tentations dans les truck stops, comme la prostitution, les drogues, toutes sortes de tentations. La vente d'objets volés aussi, par exemple. Quand ils sont arrivés sur ce truck stop, Mike et Suzanne pensaient que leur séjour ne durerait qu'une petite semaine. Je prie à présent, Seigneur, pour que tu soignes son genou, Seigneur. Que tu lui donnes un endroit pour vivre. Oui. Fais que la prochaine fois que je le croise, il ait trouvé un emploi, mon père. Merci. Cet emploi viendra de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es l'homme de tous les miracles. Vu l'ampleur de la tâche, ils ont prévu d'y rester au moins toute une année. À Las Vegas, pour les Sandvik, c'est le grand jour. Plus que quelques heures avant le concours. Mais Marie a des soucis avec ses troupes. J'appelle Samy. Un de ses chauffeurs a disparu. Je vais voir si je peux retrouver Samy à l'hôtel. J'allais l'appeler, mais son téléphone est coupé à présent. Coupé. Samy a été vu la nuit dernière dans un bar. Et depuis, plus de nouvelles. Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir avec Samy? Il a joué toute la nuit? Ouais, probablement pendant 12 heures. Où étais-tu? Ils m'ont volé mon argent. Deux filles. Ils t'ont volé ton argent? Combien? $2,000. 2000? Mais je pensais que tu avais seulement 1400. J'ai porté plainte à la police. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs filles t'ont suivi? Des prostituées, elles m'ont fait un massage, elles m'ont pris mon argent. Des prostituées? Mais tu sais que c'est Vegas, c'est dangereux. Mais comment elles ont fait? Elles ont pris ton argent? Elles t'ont parlé gentiment avant d'attraper ton porte-monnaie? Elles étaient dans ma chambre. Ah, et maintenant on a un problème. Tu avais des filles dans ta chambre? Ouais, je m'en fous. Un mois de salaire envolé en une nuit.
le chauffeur s'est fait pigeonner par des filles. Un grand classique de Vegas, les mises en garde de sa patronne n'auront servi à rien. Et c'est pas fini, il va être malade toute la journée. Un employé qui comate dans le canapé, pas très bon pour l'image de marque de la société. D'autant que la compétition s'annonce rude. Les plus beaux camions du pays sont là. De l'état du moteur à l'originalité de la décoration, chaque détail va compter. Alors sur le parking, entre les concurrents, la guerre des nerfs a commencé. Rassurez-moi, vous n'êtes pas là pour le concours. Bien sûr que je suis là pour le concours, bébé. Cet homme au look de chanteur texan est l'une des plus grosses fortunes du monde des camions. Pour sa première participation au concours, il a décidé de frapper fort. Approchez-vous, entrez dans mon sanctuaire. Oh mon Dieu! Un intérieur digne d'un 4 étoiles. Le grand luxe à l'américaine. L'intérieur a été entièrement refait, tout est flambant neuf. Il y a une salle de bain avec une douche. Les armoires en bois de cerisier, tout a été refait. Regardez l'évier, c'est du laiton. C'est le luxe américain poussé à l'extrême, version routier. Combien ça vaut? Oh, environ 1,5 million de dollars. Incroyable. Et à ce prix-là, toutes les fantaisies sont permises. Approchez par là, approchez. Oh mon Dieu! Une authentique Harley Davidson à l'arrière du camion. Même à Vegas, c'est du jamais vu. La compétition va être rude. Oh mon Dieu! Mais Marie pense avoir décelé le point faible de ce concurrent, un peu trop arrogant à son goût. Si j'étais un juge, la première chose que je ferais, c'est regarder ici, en dessous. Quand on présente un camion en compétition, il ne doit pas y avoir de crasse comme cela. Bill, mon mari, lui, sait qu'il faut être propre. C'est pas bon pour eux, mais c'est plutôt bon pour nous. En combinaison bleue, voici les trois juges. Tous des professionnels de la route, chauffeurs ou mécaniciens. Bill n'emmène pas large. Pendant 20 minutes, le jury ausculte son camion sous toutes les coutures. Ok, tout a l'air propre ici. Pour départager les rois du bitume, les juges sont à l'affût de la moindre imperfection. C'est quoi ça sur la cheminée? Des taches sur la cheminée et un petit accroc sur la peinture. Regardez là, il y a des cloques sur la peinture. Ces petits détails peuvent faire plonger la note finale. Les Sandvik vont maintenant être fixés. On n'est pas difficile. On prendra tout. On n'est pas difficile. On prendra tout ce qu'on peut avoir. Première place, deuxième place, troisième, on s'en fiche. On prendra tout ce que les juges veulent bien nous donner. Comme pour les Oscars, il y a des prix pour chaque catégorie. Plus belle peinture, meilleur moteur. Mais le seul qui compte vraiment, c'est celui du plus beau camion. Le prix du public est attribué à Marcel Pontbriand. C'est finalement un routier canadien qui remporte le trophée le plus convoité. Pour lui, pas d'argent à la clé, mais un énorme coup de pub. Les photos de son camion seront publiées dans tous les journaux lus par la profession. Dans la défaite, Marie n'est pas vraiment fair-play. Pour moi, c'est vraiment trop chargé. Mais beaucoup de gens aiment ce camion, parce qu'il raconte une histoire. Nos camions sont plus jeunes, plus modernes. C'est une nouvelle génération. C'est un style différent. Déplacement, frais d'entretien. Au final, ces concours coûtent aux Sandvik bien plus cher qu'ils ne leur rapportent. Pourtant, cette défaite ne leur a pas servi de leçon. Dans quelques mois, Bill et Marie retenteront leur chance dans un autre concours, à Dallas. On n'arrêtera jamais de faire des concours, pas maintenant. Donc on va continuer à le faire, encore, encore et encore. Leur convoi spectaculaire sillonnant les grands espaces à la manière des pionniers américains, c'est sans doute la dernière part de rêve du métier de routier aux États-Unis.